On est sécurisé, tu vois, je peux cogner la tête, je risque rien, tu vois. Yo les amis, bien le bonjour, salut mon pote Marc. Salut. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Nickel, moi, comme d'habitude, voilà, comme d'habitude. On vient de finir la vidéo où on a bu l'apéro. C'est surtout ça. On a bu l'apéro. On a bu l'apéro. Non, la dernière vidéo, logiquement, que vous avez vue où on dépollue 7. On vient de terminer. L'apéro se situait là-bas. Tout le monde est parti. Et avec Marc, on s'est chauffé. Pourquoi? Pour Enurbex. Dans ce gros bateau désaffecté, abandonné. Pourquoi? Parce que d'après ce que j'ai compris, le capitaine du bateau, le patron du bateau, n'avait plus les sous pour payer ses employés, donc il a été laissé à l'abandon ici. Et normalement il doit être démonté et enlevé d'ici 2 mois. C'est ça? Normalement d'ici 2 mois. Donc nous en fait on va essayer. Ciao ciao. Un abonné, hop, qui s'en va. Donc nous, en fait, on va essayer de monter à l'intérieur. Donc, on a mis le 4x4 à cul pour pouvoir monter sur la petite passerelle qui est là. Donc j'espère que ça va le faire. Normalement, oui, je pense que ça va le faire. On pourra même redescendre. Et c'est vrai que ce bateau m'intrigue. Moi, ça fait 4 ans que j'habite Frontignan. Ça fait 4 ans que ce bateau est là. Et ça m'intrigue. J'ai envie de visiter. Donc là, aujourd'hui, ben... T'es chaud? Carrément. Et on est chaud, on va le visiter, c'est parti. Hop. Et hop. Ouh, je suis sur le bateau. Ça y est. Bon, alors. Tiens, on a ton casque qui vient. Hein, oh putain. J'ai oublié le casque. Eh, on n'est pas mieux protégé que ça, hein? Allez, on se protège. Et toi, ton casque, il est où? Et moi, là, écoute. Eh ben, on va t'en trouver. Ouais, viens, on va te trouver un casque. Allez, viens, viens, on va lui trouver un casque de chantier, lui aussi. Hein. Ah. Bon. Ça me fait penser aux vidéos Coco Bongo, ça. Tu connais pas Coco Bongo? Putain, je suis tombé sur Coco Bongo, moi, sur YouTube. Oh, les mecs. Oh. Je te raconte pas. Alors là, regarde. Eh, hey, t'as vu? Voilà comment ils ont fait Jurassic Park. Écoute le bruit du dinosaure. Ah, ça le fait plus. Ah, on recommence. Ah, ça c'était un vélociraptor. Croisé T-Rex peut-être. Mais là en fait on a une porte. Or dedans il y a... Ben, on a le marin là avec nous. Il va nous expliquer un petit peu tout ça. Et il sait pas. Il sait... Ouh! Oh putain, ouh, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Ouais, là il y a un escalier qui descend, mais alors. Et il faut prendre une lampe. Ouais, j'ai une lampe torche. T'as une lampe? J'ai une lampe torche. Allez, vas-y. Ouais. Mais une lampe torche, c'est une lampe qu'on allume avec du feu, ça. Bah ouais, c'est une torche. Mais la tienne, elle s'allume avec une pile? Non, avec du feu de la pile. Avec le feu de la pile? Bah vas-y, ça roule. À quoi? On va commencer par la proue, l'avant du bateau. Et après, derrière, c'est quoi? Et après, bah, c'est le cul. Ah non. Ah, c'est le cul. Là-bas, c'est le cul. C'est là-bas, t'as la proue, là-bas, la poupe. Voilà, la proue, la poupe. La proue et la poupe. Et là-bas, on a bâbord et on a tribord. Batterie. Bâbord et tribord. Ah, c'est mieux. Ouh, l'escalier, il est tout rouillé. Je sais pas si va. C'est mon poids, il a supporté, mais le tien, est-ce qu'il va le supporter? Ah, ouh, surtout là. Je vais vérifier que tout se passe bien de là où je suis. Ouais, y a pas de souci. Alors, tu marches sur les traverses, du coup? Pour pas que tu traverses. Et putain, on a de la bonne corde pour la pêche à l'aimant là. Ouh, j'ai l'impression de tenir mon... Alors Popeye, tu m'excuseras, mais je sais que tu voulais faire aussi l'ouverture, la visite de ce bateau. Et t'es pas là, t'es en train de déménager. Donc, de déménager un copain. Oula, ouh, moi j'aime ça là. Les endroits sont... Oh putain, il y a du matos là, il y a du bois. Il y a étalé une orte là-bas. D'accord, mais écoute, moi j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Tu le vois? Quoi? Et c'est un trou. On va rentrer dans le trou. Ça s'appelle comment? Un trou d'homme. Alors là, les gars, hop, on est en train de rentrer dans le navire. Descends, putain, j'ai toujours mon casque sur la gueule. Mais je vais le garder longtemps celui-là, je te le dis. Tu sais quoi? Dorénavant, dans toutes les vidéos, j'aurai ce casque. Hein, on est au pont premier étage.
Voilà, en dessous du pont, en fait. Alors, regardez-moi. Pour vous dire, tellement ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils se sont soudés entre eux, les bordels, mec. Là, tu peux plus dérouler le câble. Là. Il s'est soudé, le bordel. Popeye, il prend deux manilles comme ça. Et il s'entraîne le bras pour la pêche à l'île. Ah, mais... ah là, franchement, c'est le bon bras pour Popeye, ouais. Oula. Alors, là... Les amis, on est dans un endroit restreint. Donc là, c'est là où ils se réunissaient le soir, à mon avis. Sur la petite terrasse, là, pour faire le teuf. Oh, mais ça descend encore. Il y a une échelle. Oh, il y a une échelle. Oh. Là, c'est pour vérifier, justement, s'il prend l'eau ou pas. S'il prend l'eau ou pas. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Là. Ah, oui. Voilà. Là, c'est un braquier, donc il mettait tout plein de merde. C'est du charbon, ça peut être du bois, ça peut être des minerais de fer, n'importe quoi. De l'or? Non, pas de l'or. Oh merde. Non. Des diamants alors? Ça fait gros quand même. Eh, diamant. Du verre si tu veux, mais diamant. Du fumier? Fumier, ouais. Ils mettaient le fumier. Si tu veux, fumier, enfin, braquer, vrac. Tout ce qui est en vrac. Du vrac, voilà. D'accord. Du vrac. Et donc tous les déchets de tout le monde. À force de lâcher, le vrac, ben, ça abîme le métal. Ouais. Et il faut vérifier s'il n'y a pas de voie d'eau, s'il n'y a pas de. Et donc tout ça, ça se vérifie par cette petite voilà. Trappe là. À mon avis. Et alors, vas-y, à ton avis, on va vérifier. Avis, normalement, celui-là, il fait ce compartiment et peut-être qu'il fait les côtés aussi. Pas peut-être les côtés, mais pas le milieu alors. Non, le milieu. Eh bien, vous savez quoi? On va vérifier. Allez, c'est parti. Franchement, eh, je sais pas ce qu'ils nous ont servi comme alcool, mais ouais. Il était chaud. Moi qui ai l'habitude de pas de boire. Eh ben moi aussi, moi qui ai l'habitude de picoler un petit peu, mais là. Mais c'est la température de 37 degrés qu'on a aujourd'hui qui a réchauffé les bouteilles. Ouf, j'ai le casque qui cogne de partout. Oh putain, et c'est immense hein. Alors. Ouh. Attends, parce qu'il y a encore une échelle là en fait. Ah oui, mais moi je savais pas. Oh, ça résonne. Eh oh, eh ho, eh ho, on rentre dans le bateau. Eh ho, eh ho. Et directement, on n'est même pas dans ce que je t'ai dit là. Non, on est dans le sac à vrac. Voilà. Dans le bac à vrac. Alors, hop, oh, là il y a une petite trappe qui attends, est fermée. Je t'éclaire. Tu vois? Je t'éclaire, attends. Ah oui, tu m'éclaires vachement. Eh je oui, préfère oui. La mienne. Hein. Mais... Voilà. Donc, alors les parois, ouais les parois du bateau. Ça y est, je suis sorti. On n'attend plus que le capitaine. Il nous fait visiter son bateau. Et j'ai toujours le casque sur la gueule. Hein. Ça marche bien ce casque. C'est ouvert ? J'ai un casque aussi. Ah putain, tu vas pouvoir mettre ton casque. Vas-y, allez. Allez. Non, parce que t'étais pas aux normes là. Alors. Est-ce que... Bonjour. Ah, bonjour. Voilà. Oh, une belle mallette, là. Ah. Ouais, mais le casque, regarde, il manque la moitié du casque. Si tu t'en fous, tu le mets sur la tronche. Voilà. Aïe. Alors là, où il y a du Bosch. Alors ici, les amis, nous avions une belle ponceuse Bosch, une disqueuse, ouais. Que peut-être on pourra retrouver... On sait jamais. Pierre, t'as oublié ta doudoune. Ah, t'étais obligé de leur dire. Oh merde. T'es oui, non, mais maintenant ils vont savoir que je suis frileux. Tu donc là, on est dans quelle partie là, dis-moi. C'est la partie du capitaine là, non, c'est tout... pièce à vivre. Ah, normalement, t'as les douches peut-être. Ah, bah oui, une bonne douche, ça voilà, ferait du bien. Là, je sais pas. Une bonne. Oh putain, ça descend encore et ça monte, ça remonte. Pourquoi ça et ah, là, la cabine la cabine. Moi, je veux voir la cabine du. Là, du... là t'as. Une pouchette là. Bon, ça doit être un second capitaine, on va dire. Oula, il a pas tiré la chasse double, monsieur. Il avait la diarrhée ou quoi? Ouf. Bah, vu la couleur, je dirais que oui, il avait la diarrhée. Hein. Donc là, ça c'est une couchette. Hein. Oh. Tintintintin. Bah, il avait... zip. Il n'y avait rien. Et le moindre espace est optimisé quand même. Hein. Le moindre. Oh, un tiroir sous le lit là. Deux. Ouais, même deux tiroirs sous le lit.
Second au capitaine, tu vois. Capitaine, nous approchons un iceberg. Attention, capitaine. Chut, je vous reçois, je l'ai bien compris. Attention, nous approchons. Merci de boucler vos ceintures. Et là, ouf. Je sais pas à quoi ça servait, ça, mais ça servait pas à grand chose, hein. Bienvenue à Second, tu vois. Ah. Engine, ça veut, c'est ma seconde, anglais. Seconde machine. Anglais, non, ENG. Anglais. ENG, c'est engine. Engine. Second engine. Ouais, c'est la seconde machine. Ouais. La seconde machine à faire dodo. Parce que on voit quoi? On voit un lit. C'est un lit, ça? Bah, et... Putain, ouais, mais le mec il mesure 1m50 quoi. Ah, oui. Pour dormir là, enfin, moi je veux dire, je rentre pas là. Qu'est-ce que c'est la cuisine, ouais? Oh, ah, c'était pour faire cuire les steaks hachés. Ça pèse un homme mort. Ils auraient pas oublié des louis d'or? Oh, des petits crayons. Putain, ça les crayons pour le chantier, ouais. Regarde, hop. T'as un chantier, tu vois. Quand t'as une casquette ou quoi, tu fous les crayons comme ça. On continue. Oh putain, tu me tapes le rapport Team, qu'est-ce t'arrive? T-E-A-M. Team, qu'est-ce t'arrive? Est venu sur les lieux. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. On a trouvé un deuxième casque. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais attends, mais toi, t'avais pas de casque. Ah, oh, voilà. Le casque du capitaine. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un thermomètre, hein, parce que ça indique les degrés quand même. Hein. pH. Ah non, pH. C'est le pH de ton pipi. Tu sais, quand il fait pipi, ouais, il vérifie son pH. Excusez-moi. Pour savoir. Je vais dans mes trous. Eh, vérifie ton pH. Hein. Ah. Eh, attends, t'as vu. Le capitaine, c'est pour quoi? Si tu veux, en même temps, on peut prendre la petite douche. Ça? Ça, c'est la chambre du capitaine, parce que c'est le seul qui a le lit séparé de la pièce. Et attention, il a... T'es bourré aussi un peu, hein. Une... Hein, l'alcool, là, il nous a tapé, hein. Le ouais, vin rouge ça. À 40 degrés à température ambiante de dehors, il nous a un peu... Toilette dans la chambre, directement. Mais les autres aussi, ils avaient les toilettes dans la chambre. Ouais, mais tu vois, là, c'est vraiment... Ah, là, c'est plus propre. Là tu... c'est rose. Voilà. Et tu vois que là, il a mis le coup de peinture, le capitaine. La pharmacie. Ça, c'était la pharmacie. Ça, c'était le gilet de sauvetage. Bah, sinon, en vrai, ça, c'était la couverture de la merde. Comment on dit? La merde. La merde, elle est là. La combinaison de survie. Hein, combinaison étanche, normalement. Et ça, c'est le gilet de sauvetage. Le flotte tube. Le flotte tube, ouais, si vous voulez. Oh, une pièce. Une pièce. Je pense. Ah, non. Vas-y. Bah, je... Ah, attends. Oui, peut-être une monnaie. Oh ah, oui, une monnaie, ah, vas-y. Je les vois de loin, hein. Et oh putain. L'habitude. Ah. Allez, elle est tombée. Et alors, qu'est-ce que c'est comme monnaie? Attention. Ah, bracadabra. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? 50. 50. Oh, mais c'est vieux. Je laisse Kevin le soin de nettoyer. Ouais, bah ouais, franchement. Et vous savez... Oh, mais c'est pas français, déjà. Non, c'est pas français. 50 coronas. Corona, ah ben c'est pour le fameux coronavirus. Coronas. Il n'y en a pas d'autres. Franchement, ben dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Cette monnaie, oh, franchement. La main, je t'approche. Oh, alors là, il y a la trousse de l'écolier. Poche nettoyante et lustrante. C'est pour les chaussures. Ça marche pas pour les moyens. Pour lustrer les chaussures, mec. On va te lustrer les godasses. Regarde comme il brille. T'as vu? Oh, petit éléphant rose. Petit porte-clés éléphant rose. Eh bien, vous savez quoi? Le premier commentaire qui me réclame le porte-clés rose, eh bien, je lui envoie. Voilà, celui qui veut ce porte-clés, le premier commentaire, eh bien, je lui envoie. Voilà, il faudra nous contacter. Vous laissez un commentaire sur cette vidéo en marquant je veux l'éléphant rose. Écoutez, t'es des jolies billes. Vous laissez le commentaire je veux l'éléphant rose. Et puis ensuite, on prendra contact par Facebook. Je vous demanderai votre adresse et puis je vous l'enverrai. Hein. Allez, soyons fous. Regarde, preuve. Hein. Je le prends dans la poche. Je le prends avec moi. Moi, je veux piloter le bateau. Alors, moi, je monte. Hein. Parce qu'on m'a toujours dit, la cabine est au plus haut du bateau. Ah ben voilà, on y est. Il n'y a même plus là-bas.
Oh, ils ont volé le ballon. Le ballon. Ils ont volé le volant. Ah, là, c'était pour recevoir le courrier, tu vois. Tous les jours, il y avait le pigeon voyageur qui venait sur le bateau. Il t'envoyait le courrier et on le mettait là-dedans. Il y a presque mon nom. Il y a presque ton nom. Oh, Rocco. Je croyais que c'était marqué 7. Allô, Houston, on a un problème. Le bouton, il marche plus. Ah, vas-y, avance. Avance à fond, mec. Avance. Non, 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 non. Recule, recule. Il y a le pont devant. Il y a le pont devant ? Eh ouais, il y a le pont, il n'est pas ouvert. Hein. Oh putain, oui, bah on... Stop les machines. Ah, stoppez les machines. Stop, putain, il n'y avait pas un truc, normalement, on n'a pas visité encore le moteur du bateau. Le moteur du bateau. On a le portail, il est fermé. Moi, j'ai la voiture, qui est la Casta Mobile qui est là, mais la Casta Marque, elle est là. Donc on est un peu embêté là. Non, mais... T'as le pare-buffle devant, non ? Mon capitaine! Oui! Je vous dédie cette coupe! Oh, c'est gentil! Au meilleur capitaine de la team Castarive! C'est gentil! Vous êtes content, j'espère? Je suis très content! Ah, c'est bien! Mais... Ouh, là! Ça, ça sent la salle de. On est pas loin! Tu sens, tu sens l'huile? Petit à petit! On a les casques et j'ai embarqué le casque pour Popeye, hein. On aura chacun son casque! Alors, c'est ce que c'est ça? Ah! Cette partie là! Ouais, il fait nuit! C'est un des gouvernails. Ça c'est haute. Ça c'est un moteur de gouvernail ? Non. Non, non. C'est pas le moteur de gouvernail. En fait, ça c'est la tige qui descend au gouvernail. D'accord. Voilà. Mais le gouvernail, il est pas au cul, au cul, au cul, au cul de chez cul du camion. Par hydraulique après. Donc là, ça fait gaffe, on est arrivé au moteur. Ouais, le moteur il est là. Ils sont là. Oh putain, il est là. Il est là. Donc là, on est. Ah oui, là il y a le moteur. On est dans l'eau. Le moteur. Là, on est sous l'eau, là ? Normalement, ouais. Là, on est sous l'eau. D'accord. Donc si on fait un trou dans la coque, là, on coule. Putain, mais il y a combien de moteurs ? Parce qu'il y en a un là. Il y en a un là. C'est ce que je te disais. L'autre côté, il y en a un autre. Ce côté là-bas. Ah, là-bas. Là, là jaune, il y en a encore un. Ça, c'est une génératrice. Donc, qu'est-ce qu'on a ? À mon avis, ça, c'est du gasoil. C'est jaune, c'est du gasoil. Jaune, c'est du gasoil et vert, c'est de l'essence. Non, jaune, c'est hydraulique en plus. C'est ben alors, violet, le gasoil. Ben alors, qu'est-ce que tu me racontes? À chaque fois, on est ensemble. Et alors, ça, c'est le tuyau d'échappement, là? Ben, regarde, là, le gros tuyau, là, le gros tuyau. Ouais, ça, c'est échappement. Là, t'as le turbo. Ça, c'est le turbo, là? Ouais, là, là. Tu crois qu'on peut le monter sur la Opel? Faut essayer. Je pense que moi, dans la vie, si on essaie pas, on sait pas. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais ah, ça descend encore. Descendre, ouais. Oh, pour arriver, oh là, 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 ben, vous savez quoi? On va aller visiter le moteur, hein. Est-ce qu'il y a des esprits dans ce bateau ? Manifestez-vous, faites du bruit ! Oh putain, t'as entendu ? Ah oui. Ah, j'ai la lampe clignote. Pourquoi j'ai la lampe clignote ? Oh, elle fait... Non mais attends, elle fait des trucs chelous ma lampe là, pourquoi elle fait ça ? Écoute ! Chut, écoute, écoute, écoute ! T'es sérieux, on peut encore monter ? Enculé. Bah attends, moi j'essaye de monter avec le téléphone, la lampe, le casque et on essayera de voir ce que ça donne. Si t'entends boum, c'est que je suis tombé, tu t'inquiètes, tu viens me chercher s'il te plaît. Tu veux que je te prenne le casque ? Je suis sur le premier palier. Ouais. Ouais, heureusement que j'avais le casque. Tu l'as entendu le paf. Mais tu vois, à quoi ça sert le casque? Et putain, heureusement qu'il fallait un casque ici. Mais on peut pas sortir là. Mais si, là. Mais... Attends, je vais essayer de tirer un peu. De tirer quoi? Oh, c'est bon. Pousse. Push, push. Push. Mais push-moi. Oh putain. Doucement, hein. Oh. Attends, vite, 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 vite. Laissez-moi sortir. Oh. Oh. Oh putain, oh. C'est vrai que ça fait du bien. Eh hein, franchement, tiens, reprends ta lampe. Merci. Je vais éteindre la lumière. Moi aussi. Franchement, j'ai envie de te dire, on est bien mieux dehors que dedans. Bon les amis, nous il commence à pleuvoir sur ce rafio. Donc, j'ai perdu Marc. Je sais, ah non, il est là-bas. Il y a un bout de casque bleu, il y a le Schtroumpf, il est là-bas.
Donc nous allons redescendre, enfin je vais redescendre. Bon, ben il faut redescendre. Et puis on va aller manger un bout, hein. Les gars, allez, plus vite. Hop, tranquillez, casque, c'est parti. Mon capitaine, nous arrivons droit à un iceberg. Il faut manœuvrer. Non, mais voilà. C'est vraiment un bateau qui va être détruit. Ils ne vont rien garder, ils vont tout jeter. Donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu autorisé à faire les foufous. Ouvre le coffre. Oh, tu l'as vu? J'ai soulevé le bateau. Ah, c'est ça que j'ai senti. Tu l'as pas senti? Regarde. Tu l'as senti? Ouais, je l'ai senti. Je l'ai senti. Tu jettes tout comme ça, capitaine. Il fait chaud. Alors, et la cascade, elle est neuve de tout à l'heure, quand même. Elle était neuve. Elle était neuve. Non, mais le casque aussi. Oh. Tu vois le pavillon? Oh, un joli drapeau. Viens, on le lui remet, là. On le lui accroche pour qu'il vole au vent. Comment je fais pour sortir, moi? Fais un régime et tu ressortiras. C'est les épaules. C'est les épaules, elles sont trop larges. Alors, essaye de faire passer d'abord les pieds. Et on leur accroche le drapeau là. Et vous savez quoi? On va leur accrocher le drapeau. Bon mais voilà, le drapeau vole au vent. Nous lui avons rendu sa liberté. Bon voilà les amis, j'étais en plein montage vidéo. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait l'intro de fin. Donc je la fais maintenant. Voilà, la vidéo se termine comme vous l'avez compris. J'espère que vous avez apprécié notre petite aventure. En tout cas c'était bien sympathique, nous on s'est éclatés. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, puis à nous mettre un petit pouce bleu et puis n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire. Voilà, sur ce, nous on te dit bon dimanche et à la semaine prochaine. Ciao.